Alors, Loïc Notet, donc tu es chanteur, ça on le sait, c'est un de tes nombreux talents, mais tu es aussi danseur, tu as gagné Danse avec les Stars. Mmh. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que tu es chaud pour une petite interview danse? Vas-y. Pow! Si tu devais nous dire bonjour avec une petite danse, qu'est-ce que tu ferais? Oh, hop là, hop là, hop là. C'est pas la danse de Carlton dans Le Prince de Bel-Air, ça un peu? Si, exactement. Nice. Bien! C'est quand la dernière fois que t'as fait une danse de la victoire? Quand je suis tombée à ski. C'était beau, c'était comme ça, gars. Sur quelle chanson tu ne peux pas t'empêcher de danser? Alors, Sing Sing Sing. Ou alors, Think de Aretha Franklin. Mais du coup, est-ce que tu nous danserais un petit peu justement sur Think Think Think? Tu marches? Et je peux bouger les fesses comme ça si tu veux. Ah si, ça marche. Voilà, je dois pas trop bouger les épaules. Je vais faire un truc de rocker comme ça avec l'autre, envie comme ça aussi. C'était incroyable. Ouais. C'était dingue. Est-ce qu'il y a une chanson de film ou de dessin animé qui te donne envie de danser? Non, ouais. Dans Bob l'éponge, tu vois. C'est la plus belle des journées. C'est la plus belle des journées. Moi j'étais sur Qui vit dans un ananas sous la mer, mais pas celle-ci. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler l'éponge carré. Qui n'a pas peur de grandir un poisson? L'éponge carré, l'éponge carré. J'adore Bob l'éponge. Quand t'étais petit, sur quelle chanson tu dansais mettre d'office? Hakuna Matata. Mais quelle race magnifique. Hakuna Matata. C'est les filles. Et puis il vient comme ça, les grands et tout. T'as fait une danse pour nous dire bonjour. Et pour nous dire au revoir, tu fais quoi? Ha! Voilà.